Alors, savez-vous comment une petite entreprise peut fortement bénéficier de l'apport du net et de ses nouvelles formes de communication? Et contrairement à une idée courante, c'est loin d'être réservé seulement aux startups et aux grands groupes. Au contraire, c'est justement parfaitement adapté pour la démultiplication des ressources d'une petite entreprise. Il lui suffit juste de commencer à se penser autrement. Vous êtes patron d'une petite entreprise, d'une PME, d'une TPE? Alors, je vous invite à découvrir comment le détournement d'un objet digital initialement fait pour la formation, un MOOC, peut véritablement contribuer à transformer votre business. Le monde est passé d'un fonctionnement présentiel et matériel à celui du présentiel et du virtuel. Aujourd'hui, une entreprise qui n'est plus présente sur le net, qui n'est pas référencée par les moteurs de recherche, qu'ils soient B2B ou B2C, se condamne tout simplement. Et pourtant, malgré ces informations connues de tous, une étude récente de l'INSEE de 2018 montre qu'au-delà des beaux discours French Tech médiatiques, la réalité au cœur des entreprises est vraiment différente. Dans les PME, dans les TPE, il reste encore nombre de chefs d'entreprise qui pensent qu'Internet est trop compliqué, qu'au vu de leur agenda, ça va leur prendre trop de temps, et même pour 47% d'entre eux, qui ne voient pas l'intérêt d'une présence en ligne. Allons un petit peu plus loin. Internet aujourd'hui représente un foisonnement d'informations. Dans ces conditions, comment vous démarquer? Comment faire ressortir le savoir-faire, la singularité, voire la patte de votre petite entreprise? Le monde est en transformation incessante et rapide. Autrement dit, s'y repérer devient de plus en plus complexe. Alors, dans ce contexte, vous pouvez, sachez-le, vous créer de la valeur forte. Si pour vos prospects, vos clients, vos partenaires, vos futurs partenaires, vos salariés, vos fournisseurs, etc., vous répondez à cette question. Comment puis-je les aider à mieux se repérer dans mon domaine d'expertise? Les chefs d'entreprise que j'ai accompagnés vous répondraient, eh bien, avec un MOOC. Alors un MOOC, justement. Un MOOC, c'est un objet digital assez conséquent, conçu à l'origine pour former des étudiants gratuitement et en grand nombre. Les entreprises s'en saisissent parce que ça correspond à nombre de critères cohérents avec l'ère digitale et notamment à ce qu'on appelle l'économie du savoir. Donc, lorsque vient un MOOC, vous offrez un petit bout de votre expertise sur le net, vous contribuez à vous construire une communauté de personnes qui vont être intéressées par votre savoir, votre expertise, votre expérience. Cela vous permet d'émerger ainsi du lot et de vous positionner en entreprise experte de son domaine. Alors, je suis Jocelyne Turpin, je suis CEO de Digital Satellite. Mon métier, c'est d'aider les PME, les TPE, à booster leur entreprise en développant via un MOOC une visibilité disruptive de leur savoir-faire, ce qui permet de contribuer au développement de leur business. Et puis surtout, parce que ce sont nos clients qui en parlent le mieux, voici un extrait que j'adore. C'est celui du témoignage d'un dirigeant de l'une de ces entreprises, il s'appelle Vincent Lefaucheur, c'est un artisan en droit social. Je suis convaincu aujourd'hui que je suis passé de l'âge de pierre à l'âge digital grâce effectivement à ce mot. Alors pour conclure, j'espère plutôt pour démarrer ensemble, je vous invite à nous contacter. Ensemble, nous allons voir comment faire décoller votre entreprise.